second épisode de Quitte ou Double, le nouveau jeu qui fait peur parce qu'il y a des flammes. Ouh, ça fait peur. Ouh là là, pas du tout. Pas du tout. Je peux sauter dans les flammes, ça n'a absolument aucun intérêt. Bien, nous accueillons notre deuxième candidat. Après Baya, la dernière fois, va-t-il faire mieux? C'est Lulu Dream. Bonjour. Bonjour, je referme derrière toi. Oh là là. Ça va... Est-ce que ça va bien? Ouais, mais ça s'est mal fermé. Non, ça s'est bien fermé, regarde. Moi, il me manque une porte, il me manque un bloc. Ah bah, c'est un bug visuel, regarde. Tac, 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 tac. Wow. Voilà, c'est beau. C'est mieux, hein. Donc oui, ça va bien. Bien. Tu as vu, tu as assisté au tournage précédent, donc tu sais que ça va être difficile. Malheureusement. Je pense que t'en as conscience. Oui. Petit rappel pour le jeu. Tu as 18 questions. À chaque question, si tu donnes une bonne réponse, tu montes d'une marche. Si tu donnes une mauvaise réponse, tu redescends tout en bas de l'escalier. À chaque question, pour t'aider, tu auras 4 propositions. Tu peux demander un joker. Joker, ça t'enlève une proposition, mais ça te fait descendre d'une marche. D'accord, oui. Ça te fait perdre la moitié de tes gains, hein, donc concrètement, parce que c'est le double à chaque fois. Donc c'est à tenter ou c'est à ne pas tenter. Tu peux même carrément dire les 3 jokers, les 3 à la suite, comme ça t'as directement la bonne réponse, mais t'auras descendu 3 marches. Pour éviter de tomber tout en bas, c'est peut-être mieux, des fois, ce sera à voir selon le cas de figure. Ouais. Et puis, après chaque question, une fois à chaque marche que tu franchiras, je te poserai la question quitte ou double. Soit tu me dis double, bouton de gauche, on enchaîne, on joue pour la question suivante pour le double. Soit tu me dis quitte, et à ce moment-là, on jouera la question quitte pour que tu sauvegardes tes gains. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. D'accord. Et bien dans ce cas, c'est parti. Là, de toute façon, la question, la première, elle est gratuite. Ok. Tu peux pas descendre plus bas. Tu peux pas descendre plus bas, donc du coup, tu peux me dire directement les 3 jokers. On va faire la question quand même, pour plaisir, mais tu peux me dire directement 3 jokers, j'enchaîne. Oui. Alors, c'est parti. Quelle est la pointure de Redounet? Ouais, les 3 jokers direct. Est-ce que c'est 35, 37, 39 ou 41? Top, 15 secondes. Joker vraiment? Oui. Bon bah Joker du coup. Ce n'est pas 35. Joker. Ce n'est pas 37. Et tu m'as dit quoi? Il reste 39 et 41. Franchement, bon Joker, parce que franchement, j'ai jamais appris ça. Troisième Joker. Eh bien c'était 41 la pointure de Red, voilà. Première question, mais de toute façon. Je ne pouvais que monter, donc voilà, de toute façon. Alors, Lulu, quitte ou double? Double. On joue pour 2000 alors. Deuxième question. Voilà. Ça se passe bien pour l'instant. Rassure-toi, tout va bien. Question 2. Qui était surnommé le roi soleil? Louis XIV. Est-ce que c'était Philippe Auguste, Napoléon, Louis XIV ou Louis XVI? Louis XIV. Top 15 secondes, tu me dis Louis XIV sans hésitation. Et c'est la bonne réponse, bien joué. Et je me casse. Quitte ou double? Double, on joue pour 4000, d'accord. C'est parti, troisième mon question. Mon but, c'est de faire plus que Baya. Ça va pas être très difficile. Attention à ne pas trop flamber comme lui, parce qu'il a pas pu s'arrêter à temps, et du coup il est retombé. Ouais, non, mais je veux pas flamber comme lui. Et bah c'est bien. Troisième question. Où est né Mozart? Oula, ouais. Turin, Venise, Salzbourg ou Vienne? Top 15 secondes. Ah, j'hésite, Vienne, ou je sais pas, bon les Vienne, au pire si j'ai joker, si j'ai pas fou, c'est pas grave. Il y a un joker gratuit, hein, tu sais. Il y a un joker gratuit? Bon, oui. Joker. Alors ok, joker, ça te ramène, je rajoute 15 secondes, tu descends? Eh ben non, tu descends pas, c'est un gratuit. Ce n'est pas Venise, il reste Turin, bon. Salzbourg ou Vienne? Je dirais Vienne. C'est ta dernière réponse? Oui. C'était Salzbourg. Oh, j'avais hésité entre allez, ces tu descends en bas de l'escalier, tu repars à 0. Marche sur la plaque, s'il te plaît. Tac, 0. On rejoue pour 1000, du coup. C'est reparti. Ok. C'est une question pour rien. 3 questions pour rien. C'est pas grave. C'est pas... Celle-là aussi, du coup, elle est à nouveau gratuite, du coup. Tu peux à nouveau me dire directement les 3 jokers, parce que tu peux pas tomber plus bas. Question 4. De combien de Länder est composée l'Allemagne? 8, 12, 16, 20. Des Länder, comme ils appellent. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est des états, en gros, c'est des régions. Là, je sais pas, 8, bon là, 16, 20. De toute façon, on est gratuite, bon. Tu peux pas tomber plus bas, de toute façon. Joker.
La réponse était 16. Ok. Non, parce que là, franchement, tu m'excuseras, mais l'Allemagne déjà. Bon bah tu joues double, on joue pour 2000 euros à nouveau. C'est parti. Cinquième question. Quel est le plus petit état du monde? Question géographie à nouveau. Est-ce que c'est Saint-Marin, le Vatican, Andorre ou Monaco? Top 15 secondes. Monaco. T'as deux Non. jokers gratuits, je te rappelle. Ouais, mais. C'est déjà Joker gratuit? Oui. Bon, Monaco quand même. Monaco. Tu valides? T'es Enfin, sûr? oui, je valide. Ce n'est pas Monaco, c'était le C'est Vatican. ça. Tu redescends en bas de l'escalier. Putain, c'est. T'aurais pu demander deux jokers, je t'aurais dit, je t'aurais peut-être enlevé ce que tu pensais Monaco, et c'était pas malin ça. C'était pas malin. Bon, on rejoue pour 1000, Pas grave. à nouveau gratuit de toute façon. Ouais. Quel est le nombre total d'albums de Johnny Hallyday? Enculé, ça, je sais Est-ce qu'il en pas. a fait Vas-y. 51, 66, 73 ou 82? Là, je sais pas. Là, 3 jokers. Ah, attends, pour le fun, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais 66, mais. C'est pas 66, c'est pas 51. C'est pas Et il reste 73, quoi? c'était 82. 80 albums, 82 albums alors. Putain! Mais. Ah, Johnny, c'était une machine. Et il double. Plus d'albums que d'années au concert. Bien, double. On rejoue à nouveau pour 2000. Je te rappelle que tu as deux jokers gratuits. Après seulement, au troisième, il faudra descendre une marche parce que tu peux pas descendre. Enfin voilà. Septième question. Je te rappelle que t'en as que 18 en tout. Faut pas toutes les gager. De l'œuvre de quel écrivain est tirée la question Que sais-je? Est-ce que c'est Molière, Diderot, Montaigne ou Voltaire? Le Joker. 15 secondes, tu me dis directement Joker. Oula, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. MDR. Il s'est rien passé. Tac. J'appuie sans vouloir. Joker, je te dis donc, je te rajoute les 15 secondes qui t'étaient prévues. On va lancer le truc. Voilà. Il reste quoi? Je t'enlève Molière. Il reste Diderot, Montaigne ou Voltaire. Voltaire. Est-ce que tu valides? Oui. Sur les certains, t'en as encore un gratuit. Hein. Bon, Voltaire. Tu valides? On sait jamais. Oui. C'était pas Voltaire, c'était Montaigne. Tu redescends en bas de Merci l'escalier. beaucoup. Merci d'avoir. Non mais je t'aurais enlevé ce que t'as dit, et du coup t'aurais eu la bonne réponse. C'était pas malin, c'était pas malin. Tu retombes à zéro, bon écoute, on enchaîne. Bon bah question gratuite à nouveau, on va la faire pour le fun quand même. Quelle île est nommée d'après un célèbre navigateur hollandais? Est-ce que c'est Kalimantan, Madagascar, la Tasmanie ou Sumatra? Alors, bon, j'utilisais quand même les trois jokers, Ouais, mais mais comme ça au film, t'aurais pensé pour le quoi? fun, Madagascar. Juste pour le fun. C'était pas Madagascar, c'était pas Kalimantan, c'était la Tasmanie. Ok. Bon, tu montes quand même, double. À un moment, je vais partir avec 1000 euros. Ah bah, il va Oh, falloir que tu partes à 1000 à un moment donné, si ça avance pas. De quel film provient la réplique I'll be back? Le Parrain, Terminator, Robocop ou Retour vers le futur? bon, alors. Top 15 Tu m'as secondes. dit quoi? C'est quoi le nom? I'll be Kenny back. Jack? I'll be Ah, back. j'ai dans Terminator et Retour vers le futur, donc je vais dire un Joker. Joker, donc Joker gratuit pour le coup. Oui. Ce n'est pas Retour vers le futur. Ben, Terminator, alors. Terminator, tu valides? Oui. C'est la bonne réponse. Tu progresses la marche à 2000. Question 10, t'es déjà à moitié du jeu. C'est super, C'est ouais. encore possible, tu peux encore faire 9 bonnes réponses à la suite, aller tout en haut. Quelle théorie doit-on à Isaac Newton? La théorie des cordes, de l'évolution des espèces, la théorie atomique ou la gravitation universelle? Top 15 secondes. On a le droit à un joker gratuit encore ou c'est Ouais, pas il y en si a un seul de gratuit, après il faudra descendre. un joker gratuit. Joker gratuit, ce n'est pas la théorie des cordes. Il te reste l'évolution des espèces, l'atomique ou la gravitation universelle. Isaac Newton, hein. Franchement. La 3 la c'était pas la. Ah, je sais plus. Isaac Newton, évolution des espèces atomiques, gravitation universelle? Évolution des espèces, franchement. Il me faut une réponse, s'il te plaît. Évolution des espèces, allez. C'était la gravitation universelle. Allez. En bas de l'escalier. À un moment donné, je pense qu'il faudra que tu quittes à 2000. Hein. Ouais, Dès que tu voilà. remontes à 2 ou 4 000, tu quittes. Ouais, je quitte, ouais, Là, donc c'est je mal me casse. parti quand même. Bah écoute, c'est pas grave, on rejoue pour 1000. Ouais. Question 11. Question 11, ouais.
Où se situe l'Oural, la chaîne de montagne? En Russie, en Ukraine, au Kazakhstan ou en Turquie? Je dirais Russie, mais j'utilise quand même les trois jokers. Ouais, c'était la Russie, de toute façon, t'aurais eu raison. Allez, tu montes à 1000. On rejoue pour 2000. Putain, je vais quitter Amine, moi, bon, je veux venir. Je veux partir avec l'argent, je veux pas 12e, repartir. 12e question, il te reste 7 avec celle-ci. Donc c'est encore possible. Enfin, encore Ok, possible de chef. monter. Quel groupe de musique est réputé pour porter des casques de robots? Est-ce que c'est les Daft Punk, Daft Punk. Skrillex, Cassius ou Frenetics? Et tu me Daft dis Punk. les Daft Punk sans hésitation. Et c'est donc la bonne réponse. Tu montes à 2000. Quitte ou double? Double, on joue 4000. On joue pour 4000? C'est risqué. Mais j'ai le droit de joker gratuit, T'as non? encore un joker gratuit à ce stade Un joker gratuit. sur cette question-là. On dit qu'un cheval blatère, hennit, hurle ou rugit. Un cheval? Quoi? Blatère, hennit, hurle ou rugit. La terre, ennemi, hurle au rugit. Pense à ton instinct, Mohamed. Joker. Joker, donc gratuit Joker. celui-ci, ce n'est Oui. pas rugit. Ben, ennemi. Mohamed, hein. Blatère, hennit, hurle. Ennemi. Tu me dis Ouais. hennit, Ennemi. et tu Ouais. valides? Et c'est la Ouais. bonne réponse. On embrasse Mohamed, évidemment. Tu es à 4000, Je... quitte ou double? C'est risqué. Quitte. Il joue déjà le quitte à 4000. Super. Il me restera des questions pour après. C'est cool. Ça m'arrange. Il restera des questions d'avance pour les prochains épisodes. Me casser. Ah bah oui, bah t'as raison. Là, ce stade du jeu. Je vais juste du coup basculer sur la question quitte. Là voilà. C'est une question sport. Est-ce que ça te rassure? Ouais et non, mais vas-y. Alors la question quitte, elle fonctionne comme les précédentes. Tu peux prendre un premier joker, mais tu descends d'une marche à 2000. Tu peux prendre un deuxième joker, mais tu descends à 1000. Et puis le troisième joker, t'as directement la réponse, mais t'as 0, donc c'est débile. Il vaut mieux tenter. Et puis si tu te rates, par contre, tu tombes dans les flammes et tu perds avec 0. Ce serait dommage. Bon, fais pas stresser comme ça, Non, toi. mais je te le dis. Alors la question quitte. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de rugby à 15 en 2003? Est-ce que c'est l'Australie, l'Angleterre, la France ou la Nouvelle-Zélande? T'as 15 secondes. 15 secondes pour me dire joker ou une réponse. Ah là 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 là. Allez. Putain, j'hésite entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Bon, ben Joker, je sais quoi, pièce pas. Joker, tu joues maintenant pour 2000 et je te dis que ce n'est pas l'Australie. Et t'as c'était quoi les trucs? Il te reste Angleterre, France, Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est pas possible, France, ils ont jamais gagné. Bon, ben Angleterre. Par déduction. Angleterre. Tu valides? Oui. Et c'est la bonne réponse, c'était l'Angleterre. Tu finis la partie avec 2000 du coup. Kumbaya, Je t'ouvre ouais! la porte. Non, il avait fini à 4000, Baya. Ah merde. 4000 plus 8000 parce qu'il avait doublé. Tiens, je t'ouvre la porte. Montons l'escalier. Tac, pardon. Ouf, t'as changé le truc. La porte était fermée. Bah, j'ai changé ou j'ai peut-être pas changé, je ne sais pas. C'est l'ultime qui te double. Soit tu dis. Là, il n'y a pas de question. Soit c'est la chance. Tu te dis, tu crois en ta chance, tu doubles. Ou alors, ça peut aussi te faire retomber à zéro. Ou alors, Il y en a ou alors il peut y un avoir autre. égal. Il y en a un, l'autre jour, il a dit, Et ça ne change rien. j'ai rien à perdre. À 4000 euros, j'ai rien à perdre. Certes. Donc, même si je repars avec zéro, au pire, je Sachant repars que t'es à avec zéro. 2000, hein. Donc est-ce que tu valides, est-ce Donc, que tu appuies? je valide. Et double! Donc tu termines à 4000 la partie, ça va. C'est pas si dégueulasse. En même temps que tes questions, Ah bah c'est elles dur, sont ce jeu est difficiles. dur, ce jeu est dur. Ce jeu est compliqué. Ce jeu est dur, bah j'ai quand même pas donné les 2 millions faciles non Mais plus, bien sûr hein. que si. Mais non. Bon bah tu gagnes quand même 4000. Fin de la partie, on peut Voilà. se quitter, on peut redescendre. Obi, on part. Je te laisse quitter le plateau. Je te remercie, T'as merci d'avoir été avec nous, bravo à rien. toi, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Demain, vous retrouverez un nouvel épisode de Tout le monde veut prendre son bloc, présenté par Nia Nia, le grand, le magnifique. Mais c'est moi qui monte, donc je peux vous assurer que c'est beau, il y aura des questions et tout, ça va être trop bien.